Meghan et Harry ne dérogent pas à la règle en se soumettant à un agenda très chargé. Le couple consacrera le début de la semaine prochaine à une petite tournée en Europe. Première étape, Manchester, au nord-ouest de Londres. Mardi, les parents d'Archie et Lilibet passeront leur journée à Düsseldorf. De l'Allemagne, ils reprendront ensuite la direction du Royaume-Uni pour assister à un événement caritatif. Mais avant de jouer au Globetrotter, Meghan et Harry poseront leurs valises ce week-end au Frogmore Cottage, à Windsor, soit à une quinzaine de minutes à pied de la résidence de William et Kate. Les fils de Lady Di n'ont pas prévu la moindre visite de courtoisie. En cause, la relation profondément dégradée entre Harry et William. Ce dernier craint tout particulièrement de recevoir la visite de son frère. William redoute que Harry et son épouse ne se présentent à son domicile avec une équipe de tournage, son cadet ayant signé un contrat de 100 millions de dollars avec Netflix en vue de produire des séries, documentaires et programmes pour enfants. Je ne vois vraiment aucun progrès dans leur relation, commente une source anonyme proche de la famille royale dans le Daily Mail. William est profondément blessé et pense que son frère a dépassé les bornes. Que feront Harry et Meghan pendant leur séjour en Angleterre? Impossible d'imaginer Meghan et Harry se prélasser dans les intérieurs feutrés du Frogmore Cottage pendant 2 jours. S'ils ne rendront ni visite au prince Harry ni à la reine Elisabeth II dans son château de Balmoral, ils prépareront sûrement leur intervention de lundi au One Year World de Manchester, un sommet annuel pour les jeunes leaders de demain qui réunit aussi bien des présidents que des PDG et des artistes. Meghan compte parmi les plus éminentes conseillères du Congrès mondial né à Londres il y a 10 ans. Le duc et la duchesse de Sussex auront à peine le temps de souffler puisqu'ils devront honorer leur présence l'ouverture des Jeux Invictus 2023 dès le lendemain à Düsseldorf et assister aux Well Child Awards à Londres le jeudi. Le mercredi s'annonce comme un jour de relâche pour Harry et Meghan, une pause bien méritée pour le couple.